assurer bongo expédition ya ba faire courante na mai matali bongo ba fonction na bango après dépôt ya démission au premier ministre Jean-Michel Samalukonda a déposé ki mokolo ya lobby moleki na tata mokambi ekolo pona kopona bongo poste topé mandat na ye ya député bisika bazala ki bongo apona ba ki na population kasi mo décision ango et salimon mbutu mbutu beaucoup de questions autour de la décision est-ce que ezali bongo ko respecter constitution amboka na biso tant que to ebike ba fonction mi bale wana et ça incompatible est-ce que décision à tata mokambi ekolo et ko kwesa bongo décision à cour constitutionnelle pe na lolenge kan il faut koyeba que bayo bazali ko expédier ba faire courante bazali na ba ma restriction ya ndenge na ndenge entre autres ba déplacement ba mission ya nao etali ba cabinet na bango ba o etali koko sia bato na misala pe bongo na bongo et ko sale mate kino gouvernement ya sika et ko bima kasina tongo lelo tozana quelques juristes sur ces plateau pour en parler pekoko ta vraiment vraiment la mozindo pour na koyeba solo mobeko etosa mito pe mobeko etosa makite na o etali karaba situation sécuritaire na République démocratique du Congo pe na partie est conseil de sécurité des Nations Unies azali ko condamner agression rwandaise pe azali ko senga la plupart des nations bazali ki wana bamboka mingi basengi dialogue entre RDC pe na na pays agresseur, le Rwanda, Kasipona France, a condamné fermement offensif. Il y a M23, na cité, il y a Sakepe, a Sengi, na Rwanda, Abimisa, Bongo, ba missile solaire, na territoire congolais et États-Unis d'Amérique, a Ebibongo condamné pour la énième fois agression rwandaise, pe a Sengi, na Rwanda, Abimisa, ba troupe, na ye, na Mabele, il y a Mboka, Congo, na Oetali. Bongo, la question, nous allons aussi essayer d'en parler au cours de cette émission. Avant d'aller plus loin, il faut dire que le président du Sénat a aussi démissionné à Pony Bongo Mondanaeya, député, Biskapi à Zalaki Bongo élu et P. Nakosa la Mosala. Il faut rappeler que Azali Bongo félicité na Bayi Oya Sénat, Wapibisika, selon Bongo Mosala et Salema qui toko au mingi penza. Avant d'aller plus loin, au cours de cette émission, nous commençons avec la ville province de Kinshasa, là où règne la sécurité, là où règne un peu beaucoup de mauvaises choses, entre autres désordres, pe bongo na bongo, un dossier na tongo ya lelo, o etali mosala la police et sali na o e kozongisa ba ekipe ba sous na drona bango, tango mabe zali ko sale matango insécurité zali ko mata Moyibi, Ezali Makasi, la police, ville, province de Kinshasa, Azali Kola Late, Azali Kokoba Bongo, Ko Salamosa, Nae, Lolenge, Longo, Banipona, Ko Zongisa, Bongo, Ba, paisible citoyen, na ba droit na bango, c'est vrai que Ba plante, Ezali Moua Mingi, mais la police, soupe, Azali Kola Late, Pona Ko Zongisa Bongo, Ba Congolais, na droit na bango, Tolanda, Elema Oyo, Yamboto, Zonga, Peto Soanan, Deko, Azali ki victime, Kasilelo, Azongi, na ba droit na ye, et puis toko yeba mozindo ali kambango tozo elema et tozonga juste après. Voleur de véhicules dit appartenir à un réseau d'achat et vente de véhicules ici à Kinshasa. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Selon le témoignage recueilli sur place, Christian Vemba serait membre d'un parti politique de la mouvance présidentielle et bénéficierait du soutien des hommes forts du régime en place. À ces propos, l'ONG État des droits en marche appelle à un suivi efficace du dossier afin de mettre hors d'état de nuire. Voilà, la question était sur vente, paix, vol, il y a un véhicule et la police a checké ma boko na organisation moko, il y a baïke pe basuso bazwaka mituka wezali ya bangote kokende kote kaka yango pe kobata maka na sima ya bato mosusu bateka kango lolenge nini ba misusu bateka kango ba DPC ba ke kote ka basusu bazwaka yango ba changer complètement ba modifier ndakisa mutuka oto uti comment nawa bisika wapi bazwi ba changer état na yango normal. Mal, mais Dieu merci. La police a ébaki bongo ko remonté, qui ne ko kende ko luka. Bongo mokolo na yango. Nenga nini penza mokolo na yango azongi, azonga ki na droit na ye. To zali bongo na ndeko Isaac Kongolo, propriétaire ya voiture, to zali komo na o yepe. Loko la ba plenya monsusu a kenda ki na la police, mais azwi bongo gain de cause na demande na ye, ndeko Isaac Kongolo mbote. Ozali mukolo mutuka ozali komona est-ce que confirmer biso? Oui, ya solo eza mutuka na ngai na confirmer que eza voiture na ngai. Nini elekaki? Ekomaki ndenge nini ke mutuka ebunga ebunga ki mukolo nini e ndenge nini yaki pona ko récupérer yango procédure nini osalaki pour que o zonga na possession ya mutuka na. Oui, madame, c'était en date du 7 octobre 2023, nde nazalaki victime ya vol ya voiture na ngai liboso ya lopango na utaki mosala malamu na zongi liboso na kotsa mutuka na lopango. Lokwa lopango ezalaki na n'occupé bato abanda osala bamwa misala nde na telemisaki yango libanda po na ya kokotisa yango nsima mais malheureusement na bobimi na ngai po na kotisa yango na kati ya lopango nakutaki mutuka esi ekei bake na mutuka natikalaki bobele na clé de contact na maboko nde après cela ezalaki ya sabedi na butu vers ba 21h le lundi na pasaki na bureau ya la police pona ko déposer plainte nanga na déposer plainte contre inconnu né la police ya banda ki ba recherche pona ko traquer moto yo ayiba ki nga voiture et présence nanga awa ezali ya mbopo na ko remercier police na musala oyo ezali ko sala basali musala kitoko bazong singa na ba droit nanga babenga kinga malgré que voiture ezala ki transformer na koka ki ata ko reconnaître en côté pour erreur et le ligne siko kuta ki na voiture na yo ton reconnaître bon voiture herbe iba ki ango ezala ki na couleur jaune mais bango tango ba ki nango ba komisi ango ya bleu sima ya ko ti ango langi ya bleu changer couleur ba ti ango bleu et après ba ye ko ti ba effigie ba lati sa ango nzoto mobimba ba tiango ba effigie ya tata mokonzi ya ekolo président de la république donc ezala ki très difficile pour nanga pour na reconnaître yango mais grâce ya implication ya la police nde ba tie maboko na moyibi wana lelo nazongi na ba droit nanga naza na voiture na maboko na ngai ozana voiture na maboko na yo et la police nde azongi selio mutuka wana comment est-ce que tango komi na la police procédure nini osalaki pour que ba yeba yo pe bazongisa yo mutuka bon nakutaki voiture ba présente nga yango et ba ye ko tinda nga na parquet pour dossier ezalaki déjà transféré na parquet pour parquet à instruire dossier donc dossier ezalaki liso na maboko na bango te parke nde azalaki na pouvoir wana ya ko restituer mukolo voiture na ye nde nakei na parke na landi procédure normale na memi ba preuve nanga oyo elakisi ke voiture eza yanga nde parke eprendre acte bapesi nga PV ya restitution nde nazongi nango na niveau ya la police ba pesinga mutuka nanga tolo bakende ko azali tozali komona bilili azali deja na prison centrale ya makala sima na ye ko passe ozave ye moko boyoki ndenge azoloba ndenge azwaka ba
ba clé quelque part ba pesa ke ba clé passe partout ayé azu mutu kanayo ndetu ndekisa o ezake chayé alekisi azu yango ake kote kango ate kaka yango $700 et chance pona ndeko Isaac ezak mutu kané ba dépêcher kité lokola ba mutu kamo susu mutu kamo susu bazo dépêcher pe ba ke kote kango et ce qui est triste ici et ezak azu mutu kaya bato o ya moyibi azu ya pakoli yango ati yango e fiché à chef de l'État comme quoi ça la qui campagne électorale maintenant to comme dans la police to tuni motuna ba ebisi biso que ba bengisaki pe bandeko oyo batangaki entre autres ndeko Jekobea oya yaki sur place a ebisi la police version de fenae que moto ya bimaki volontaire pona ko accompagner ye na campagne électorale na ye pe aye na mutuka sans ko ye ba origine na mutuka accompagner et na suka na yango ba ko se rendre compte que la police a kangi moto moyibi donc a kangi moyibi non seulement ayibi mazui mutuka ya moyibi ya ndeko eza ko azali awa ati yango efigé à chef de l'état pour que ba kanga ete pour que ba bosa na ye pour que akoba et tant wa passé aux ave a lobi clairement que ayibi de 26 véhicules depuis mois il y a janvier et c'est tout un réseau et selon l'information toujours à la police bangonyo sobakanga maki et quel est votre message à la police et votre message à la population congolaise? Bon, mon message c'est d'encourager et de féliciter d'abord la police. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse doter à la police des moyens conséquents, les moyens qu'il faut pour que la police puisse bien faire son travail, malgré les petites difficultés. Mais dans mon dossier, dans ce qui me concerne, j'ai été rétabli dans mes droits. Là, je remercie vraiment le service de la police nationale congolaise qui a traqué ces voleurs, qui a mis la main sur ces malfaiteurs pour me remettre dans les droits. Et le message à la population, je demande à la population de faire confiance à notre police. Nous avons une police professionnelle. Je la demande, si vous avez été victime du vol de quelque chose, d'un objet, d'une voiture, quoi que ce soit, allez déposer votre plainte au niveau de la police. Et grâce aux moyens, grâce aux efforts de la police, vous serez remis dans vos droits. Donc, c'est un peu ça mon message à la population, que la population continue à faire confiance à notre police. La police est là pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et mon message, c'est encore une fois de demander à notre population de faire confiance à notre police et elle sera très satisfaite, madame. Autant toujours ici, il y a un moto libéré, autant je rappelle, intervention, je me suis dit, je n'ai pas droit à la bango, de quoi à l'objet que, moutoukane, ils aient parce que, ils ont dans la police pour que, ils aient selon moutouka. Est-ce vrai, allégation, parce que c'est ce qui a été dit dans l'opinion? Non, non, madame, je ne pense pas. Comment moi qui suis une victime, nakokoma en connivence na la police congolaise, ce qui n'est pas vrai. Nga naza victime ya vol na bongisaki voiture, ça fait maintenant 4 mois que voiture nanga nazalaki nango lisusu te. Ces allégations là eza pour na ko contourner procédure normale. Donc la police azawa na pour na ko traquer ba miyibi pour azongisa ba victime na ba droit na bango. Mais boni même police oyo azo traquer bato yo bazo bato bazana mbiba mais aya kokoma en connivance aya kokoma de mèche avec bato bazo iba. Donc ce n'est pas ça. Nazo réitérer que la police est sali musala na yango comme il faut. Lelo naza na esengo makasi, Dieu merci, naza na ba droit nanga et sengo eza e pa nanga mama. Nanga ba privé 4 mois mutu ke bandeko ko boula 4 mois. Oui, ils ont manqué à gagner et belé pendant 4 mois. Bon, n'a remercié Bato Yoba Sunga Kinga pendant la période. N'a remercié apport ya ONG, ya droit de l'homme, n'a coordonnateur Nango Maître Oscar Mubiayi, ONG, quoi ici? ONG oyo etali makambo ya droit de l'homme pona kozongisa bato na ba droit na bango. Na remercier bango pona appui oyo ba appuyenga na période oyo ya
y a moi pas si ba songinga ba procédure bisikanyon son abandai ko kede to bandai ko kende na bango ba apporta ki soutien na bango na dossier nanga ba zoa ki likamulanga e komi lokola ya bango na yango na remercier coordonnateur na yango maître Oscar Mubia ipo na appui na soutien oyo a accompagné nga tout au long ya périple oyo madame. Très bien, merci beaucoup. Bon, c'est ça, c'est la population. Il faut faire confiance à notre police. Et puis, avec le général Kilimbalimba, c'est vrai que le problème est belé. Moi, je suis senti pesant mon salaire. Et peut-être que je suis senti à mon honte parce que mon salaire est ma caste. Je suis en train de me faire bien tout. Et moi, j'appelle ici à la population de faire attention et d'être vigilant. Ce que Monil Kameza Mabe, qui m'a dit à la police, pour qu'on dénonce, c'est très important. Et dans le bateau, il faut faire très attention. Vous pensez que vous allez vous garer sans oublier que la police fait son travail. Nous allons rentrer du côté de la régie pour nous rejoindre. Parce que nous avons Isaac, tu es sur place, sur ce plateau. Isaac qui est mon côté, tu as écouté au moins 4 ou 5 personnes au bazar qui rétablit. Surtout que nous avons mon côté, mi balé. Azo témoigné pe ki azui mutu kanaye sans ko senga eloko pe bon na bon parce que la police a salé mon sang nango to koy ko zonga na ngambo régie si c'est possible to zo bongo bandeko et plutôt libérer ndeko Isaac ce qui aurait pu son mot de la fin naye bana mboka la régie peut nous aider avec un élément et puis to si ça nandeko Isaac. Bonjour, c'est Dana Isaac, qui est la victime il y a 3 mois passés, au Libanga Fati, au Bosson Fang. Mais les gars qui font la vérification, c'est justement dans Fouti, Moutouka, la police est au Bakaro, c'est des raisons dans la vie. Alors, la police, la commissaire provinciale vit de Kinshasa. Oh, il y a un commissaire divisionnaire adjoint, Kilimbalimba, Mbola Blaise. Nini okoloba pona musala o police sali. Franchement, nazana esengo makasi na musala esalami parce que espoir qui déjà perdu. Il est le mois qui m'a cancé le mois qui menait au retrouver nous tout bas. Vraiment la plus longue na la police particulièrement la générale Guess. Vraiment la satisfaction na musala esalami. Merci beaucoup. Tu me dis là mon chef. Tiens, Bunda, la bandit dans la commune à Kinshasa, la ville de Vung. D'accord. Alors, Namonio awa pene pene ya motuka ya rouge. Awa na commissariat provincial la ville ya Kinshasa. Et logo nini memio. Bon. C'est depuis le 8 octobre 2023 que nous avons été victimes de vol à Ibanga Moutouka devant ma parcelle, garée devant chez moi, on a volé. Et on a déposé la plainte en bonne et due forme à Ouana, au commissariat provincial et à la police, le maire de Kinshasa, la section criminelle, police criminelle et anti- stupéfiant. Et après enquête, Benanga pas y a commissaire et pas y a OPJ qui est en charge et dossier. Et pour procéder à la vérification, il y a Bami Touko Bazoï, ceux qui nous Kananga Pesarakiwana et Dieu merci. Mon véhicule était parmi les véhicules qu'on avait retrouvés. Aujourd'hui, je viens récupérer ma voiture. Donc, je félicite le travail, la qualité du travail de la police provinciale de Kinshasa. Et par la même occasion, je lance des fleurs au général pour le travail bien fait. Donc, quel est l'explication juridique de la décision du chef de l'État en ce qui concerne Kotika gouvernement est expédié par faire courante alors que mandat et députation paix y a gouvernement et sali incompatible. Nous en parlons au cours de cette émission parce que ça fait débat. Est-ce que le chef de l'État contredit la Cour constitutionnelle ou que le chef de l'État a ébimonko violé constitution selon Ndenge et Zolobama opinion, Tozalina Bandeko sur ces plateaux n'a
bango to kabola makanisina oyo etali mboka Congo mais aussi la décision ya Conseil de sécurité ko senga bongo dialogue entre la RDC et le Rwanda alors que la France le dit ouvertement il s'attaque au Rwanda pour lui demander de se retirer na territoire congolais les États-Unis a dit la même chose a sengi Rwanda longo la ba missile solaire na Marbele na biso pe atika ko attaquer mboka Congo pourquoi le Rwanda n'est pas inquiété, pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné après ma dénonciation, nous sommes beaucoup à Mingi à Mokili. Nous en parlons au cours de cette émission. Deux sujets à l'ordre du jour. Nous allons inviter Nangam Bonanga, Yalo Boko Yamwasi, Toza Nandeko Gauthier, Sompabou, Aza Moko Alisanga, ACP, parti politique, cher Yandeko, Jantin Ngobila, Mboko, Mbote, Peboibola. Mbote, Maman Naomi, Mbote, Naba, téléspectateurs, nous sommes surtout à grande émission. Pour la Congo, Maman Naomi, pesanga le fils que une minute, n'a rencontré un petit souci au Bisouan en quoi notre très cher et beau parti Alliance des Congolais progressistes. Madame Naomi, vous savez que Nagina est un week-end panoka Kolobate. La commission électorale nationale indépendante n'avait aucune qualité pour nous sanctionner bas critère bas tout bas candidat. Gloire à Dieu, il y a Air Const, il y a Cour constitutionnelle. Président Kamuleta a prononcé un arrêt à Cour constitutionnelle. Le BIT, CENI, Azan a pouvoir atteindre mon côté, il a sanctionné Batou, Kouretier, Bastrité, Bango en pleine course électorale. La conséquence logique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, décision à CENI est qu'on souffrit dans la juridiction compétente de Kourakotran. Donc, il y a tout un vide juridique. Oh, le lobby soit dit, lorsque CENI a longoli moutou na cause, a longoli secrété na yéto, qui n'a pas de vaquer de juridiction. Premier élément, deuxième élément, na kirimbang. Maintenant, le procureur général pour la Cour de cassation a émettre une invitation à la contre du gouvernement de la ville pour de Kinshasa. Ce qui est grave, l'Assemblée provinciale, l'ancienne Assemblée provinciale, oh, Godem Pouyabaosala, aïe président, et c'est là qui en pleine suspension, mais comment ça se peut penser qu'en pleine suspension, et le mot limité à Godia, il y a Chantin Gombiambak. Et le même Chantin Gombiambak, après avoir été sanctionné légalement par les ministres de l'Intérieur, a donné le pouvoir naïe, et le PG a émettre encore une invitation, pourquoi comparaître devant les parquets généraux pour la Cour de cassation. Maintenant, Gombiambak va se présenter comme gouverneur en fonction, ou comme gouverneur dont les immunités ont été levées. Parce que jusqu'à présent, immunité à mon côté, ils ont levé contre le gouvernement de la vie pour les Kinshasa. Politiquement aussi, ce qui est grave, Maman Naomi, il y avait 82 personnes au basket, qui ont une fraude, prétendument fraude, prétendument bourrage des signes. Mais tout le monde a une invitation à Moutoumo et Tamboulaka. Et ça, c'est mon amboka, Jantino Gobilambak. Ici, j'interpelle l'autorité qui a lancé l'invitation que nous devons respecter la procédure. La procédure veut à ce que pour que le gouverneur réponde devant le cour des tribunaux, vous devez solliciter qu'on enlève les immunités devant l'ancien procès de Villa Kinshasa. Tel n'a pas été le cas. Les actes posés contre lui devaient être déclarés nil et nil et fait. Il est invité demain à ma institution de justice à Rokende Tote, puisque nous avons besoin de procédure et de respecter. Non, ici, tout le monde est là. Il va répondre comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Tant que l'immunité n'a pas, il joue le pouvoir d'exécution, il joue des immunités. Il faut APK et l'onglet d'immunité. Tant que l'onglet n'a pas été, pourquoi bien la justice? Et aussi, Maman Naomi, la Cour constitutionnelle répond à l'obligé. C'est ni aux la capacité, compétence à Goulonga Batou. Quand on a coûté la sécurité électronique à Bango. Donc, par voie de conséquence, on supposerait que la décision de la scène, c'est une décision irrégulière. Alors qu'en plus, une décision irrégulière ne peut jamais produire les effets. Merci beaucoup. Merci pour la mise au point, Manandeko, Matondo Mingi, Tozali, Bongo, Namona, Boka, Jean Moubenga, Moko Yabai, Kongo Manio, Basuki, Naravision, chef de l'État, Ndeko, Mbote, Pebo Ibola. Mbote Naomi, Mbote na bande de connaissances tous en avant la plateau pour la émission pour la Congo.
gouvernement n'a pas si ma décision en tant que Mbeko a communiqué que le gouvernement est vanda et qu'on va expédier l'affaire courante avant Mbokoti vraiment mon sousou. Comment est-ce que vous avez expliqué en gros juridiquement? Est-ce que Tata Mukambeko a bouki arrêt à cour constitutionnel ou est-ce qui bango balonga au cour qui déjà clair topé a violé constitution explication en gros. Et l'obinini, tout est aligné. Bah, je dis, bah, vous allez vraiment, bah, tout, au bah, quoi, 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 ça, bah, détail, n'y a pas, n'a qu'à t'y a interprétation, y a, et le quoi, surtout que ça engage des organes du pouvoir, donc le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée par les rejets de la demande du Premier ministre. Et là, nous voyons que le Premier ministre est allé déposer d'abord la démission. C'est-à-dire, il a respecté l'esprit de la Constitution. En tant que démissionnaire, il redevient député parce que son mandat a été validé au niveau de l'Assemblée nationale. En ce moment-là, le président, dans ses prérogatives, il peut le nommer comme intérimaire. Donc, il est comme quelqu'un qui est en train d'expédier les affaires courantes. Donc, il n'est pas doté de plein pouvoir. Parce que si vous lisez cette ordonnance, il y a beaucoup de restrictions. Certaines choses, certaines décisions, c'est le président de la République qui doit donner l'autorisation. C'est-à-dire, son pouvoir est restreint. Et je pense que c'est une matière vaste que les juristes viendront entrer en profondeur, mais en tant que communicateur, ce que je peux vous donner jusqu'à ce niveau, c'est ça, il n'a pas violé parce qu'il a démissionné. Il n'est plus Samaloukonde des 1 ou 2. Il est redevenu député national. En ce moment-là, le président lui donne une mission juste pour expédier les affaires courantes. Ce qui est faux, c'est un mandat à député pour le moment. Et ça sera son, non, ce sera son suppléant qui va s'occuper de ça. Jusqu'à la fin, il peut faire un choix maintenant. Oui, parce non. Vous savez, quand un député est nommé au gouvernement, c'est son suppléant qui prend sa place. Ouais. Et s'il y a remaniement, ce ministre peut rentrer, récupérer sa place à l'Assemblée nationale et le suppléant se retire. C'est un peu dans cet esprit-là, parce qu'il ne peut pas être à la fois exécutif et législatif. Parce que le législatif contrôle l'exécutif. En étant Premier ministre, il ne peut pas être Premier ministre et député. S'il y a un problème, ce sont les députés qui doivent contrôler le gouvernement. Donc en ce moment, s'il doit assumer cet intérim-là, automatiquement il cesse d'être député national. Ce sont remplaçant, le premier remplaçant qui est le suppléant qui prend la place. Très bien, merci beaucoup, mon ami. Donc, ça, c'est pour éviter trop le choc, parce que les gens sont en train de surchauffer les esprits juste pour allumer le feu. Nous avons déjà trop de feux allumés dans le pays. Nous essayons de tempérer nos ardeurs. Non, c'est pas si grave que ça. Article 108, il y a constitution et lobby mandat à député national, ils sont incompatibles. On a un mandat, il y a sénateur, puis vice-versa. Mandat à député ou sénateur, ils sont incompatibles. On a une fonction, il y a un mandat au lundi. Membre du gouvernement, membre d'institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, membre de la police nationale, membre de la sécurité, membre magistrat. Agent et carrière, il y a service public, cadre politico-administratif, territorial, mandataire public, actif, bon, on a bon, on est mon béco, et le bon, on est quoi. Tu peux expliquer, Bichot, mais tu as la maître Jean-Pingaloula. Alors, tu as acteur politique, il y a Baïmboka Congo, tu as juriste. Est-ce que vous comprenez cette décision? Comment expliquer, na o étali mon béco? Ce qu'il faut résoudre dans mon bec, on a mis une décision au Tata Mokambia Jui, puisque le pays est en guerre, le pays a beaucoup de problèmes. Le chef de l'État a joué Mokan, on a déjà communiqué au cabinet à Pessibiso que le ministre va expédier va faire courant. Merci, Maman Naomi. Merci également à Mboko, qui a pris le risque.
Yakoya ko débattre nangai les grands cerveaux de la République démocratique du Congo en matière de droit. Bayo bazui risque à quoi ko débattre nanga sur cette question. Bongo tikani ngai na tombela bayimbo ka bayibai nandako boma misano. Jambo yeno batoto ya Congo, Mungu wangu anubariki. Bwana beno bampangi ya Congo. Wetu au bana betu ba mukongo wa mungalata. Mukalenga wa mujulu atambe kunwa funia. Vide mukulu anutwe mvwen mvwen. Moimbo ka isala ka pasi mingi. Lorsque toko ya na itando ike. Pono koya kolobela mokonza o ezo tali saete noir sur blanc. Que le président de la République, le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement de la, des institutions, le premier citoyen de la RDC en tous les domaines, les magistrats suprêmes, les commandants des forces armées congolaises, se permet à ciel ouvert, sans pouvoir ni qualité, de violer délibérément la Constitution. Et elle y passe. Na yoki kulu toa wa, ako bete mono kwa lobi, a yebi na ye makamona droite ako lobe la te atikeli biso. Mais il a pris quand même le risque, il a pris quand même le risque d'affronter la plus grande faculté de droit pour remettre un avis politique là où le droit est clair. Mama Naomi, yone moto tangi a yamboku tungana tanga. Kamata article 108. Balobi le mandat de députés nationaux était compatible avec le mandat de sénateurs et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions de mandat suivant. Babandi kotanga membre du gouvernement. Na suki sawana pona kotanga ebele te bayimbo ke yali ebele mama. En droit, baloba boye, le pouvoir est d'attribution. Il n'y a que la loi qui attribue les compétences et les pouvoirs à quelqu'un. Samalou Konde présente sa démission. Le président de la République dit « reste là-bas ». Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires d'office. Toute affaire se sente et n'appelle pas des recours ni des interprétations. Mais comment expliquer que le président de la République viole la Constitution, viole même la décision de la Cour constitutionnelle? Non, 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 non. Nako Luka Joël qui tenge Sikao. Et si Koko la nanga Joël, Nako Luka o Sikao. Oya koye bisabiso, état de droit pour le bac na biso, vraiment yangoyo. Non! Mais si et salement, ce qu'il faut pour le bayango, je suis en jurisprudence en 2011, je pense, après ma ponomi gouvernement, il y a Adolphe Mozito, ils ont rappelé dans vos expédiés, bah, faire. Et maintenant, les lots, ils ont un cas particulier, il faut que le bayango, que Mbokeza n'a pas tombé. Est-ce que photo compte dans la discussion? Madame, on a, ils ont besoin de la distraction, t'es finalement. Maman Naomi, maman Naomi. Pour la nini, yo pour soutenir Bosoto. Ate zalaka lobby. La jurisprudence, il y a des jurisprudences propres. Et il y a des jurisprudences sales. Là, vous devez le comprendre. Est-ce que ça, c'est une bonne jurisprudence? Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui avait prôné l'état de droit? Non. Mais tu sais que tu as dit. Non, et même à cette époque-là, est-ce que la Cour constitutionnelle s'était prononcée? Madame, Natche Awa, de Konangai Sopam Azalia, juriste et avocat de Konangai, Aya Bisangai, les conséquences juridiques maintenant, quelle est la qualité de Samalou Konde, ce réseau continue. Même pour les affaires courantes, il n'en a pas qualité. Il n'en a pas qualité. Même dans ce même intérim, il n'en a pas qualité. Puisque le chef, du moment où puisque le chef lui permet. Donc c'est les chefs là en violation. Les chefs en violation. Félix Tshisekedi Kosa Leloko Nengwanate. Quelle est la qualité, quelle est la nature juridique de la décision du président de la République face à la Constitution et face à l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Madame, mais ici, vous avez noir sur blanc un président qui viole la Constitution.
Jean-Pierre Mbemba a tenu une élection T. A quoi joue intérim ou non? Ma bezali wapi. Est-ce que c'est seulement ça Malukonde qui doit rester là? Est-ce que Jean-Pierre Mbemba ne peut pas prendre cette direction-là pour ne serait-ce respecter la constitution, respecter les mémoires? Il y a Batunabi Sobakoufa pour la raison de la constitution. Maman, sur le plan des droits, Félix Tshisekedi passe à la vitesse supérieure à une infraction qu'on appelle la haute trahison. Comment ça? Mais oui! La haute trahison, c'est le fait pour le président de la République de violer la constitution. C'est la haute trahison. Même pas aujourd'hui, le lendemain, il sera arrêté. Il sera interpellé et il va répondre. Pourquoi je vous dis, madame? Parce que Moto a démissionné, a validé le mandat, pour consoler les boys. Vous yoke ko tchena ndenga makasi. C'est-à-dire quoi maintenant? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Namboko Mubimba, oui, maman, tous à la série, sont pas moyo à cause de la posséder. Kouloutounanga est allé à cause de la posséder. Bisoto cause de la posséder. Mais allez. Kakabeba Samaloukonde, Kakabeba Mboso, Kakabeba Bilongia. Merci, Matondo Mingimo. Non, le président de la République, chef de l'État, je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retirez votre décision. Merci beaucoup. C'est une grosse erreur, Baoutou Osani Sayo. Vous allez répondre de ça un jour. Très bien. Merci beaucoup. Prenez l'intérim, donnez à Jean-Pierre. Merci. Très bien. Ndeko Sampabou, vous êtes juriste également. Nature juridique, il y a des sujets à Tata Mokambieko, les années. Et au-delà de tout. C'est un communiqué des Olobakissa Malukondo a démissionné qui a été en place. Pourquoi ne pas le faire par ordonnance présidentielle pour lui remettre Kozongi Saena et Sikaona? Est-ce que le chef de l'État, la décision, la présidence de la République, a violé intentionnellement la Constitution? Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que lorsque toujours réfléchir les sujets de l'État, il faut toujours réfléchir avec beaucoup de sérieux. Maître Jean-Pi, vous devez éviter cette attitude de se prévaloir d'une connaissance exagérée. Approfondie. Et personne n'a le monopole de la science. Vous avez cité la Constitution qui donne les cas de compatibilité entre les mandats électifs et le gouvernement. C'est-à-dire le choix est clair lorsque vous avez été élu et que vous êtes ministre, vous devez choisir entre l'exécutif ou le législatif. C'est le principe. Mais nous, c'est là où le juge se réfléchit. Madame Naomi, nous sommes dans une situation particulière. On appelle cette situation d'exception. Yeah. Ici, la République du Congo, entre guillemets, est en guerre. Malgré que ça n'a pas été encore déclaré. Officiellement. Officiellement. Mais tous les signaux de déclarer, tous les signaux de la guerre, ils ont déjà mis en place. Il y a même l'armée rwandaise qui voilà. S'approche de nos frontières. Mais Maître Jean-Pi ne peut pas prendre les risques avec la tension approfondie autour de la. Les ministres ont même fait de dégager Addis Abeba. Vous savez comment les chefs d'État ont réagi. Et le chef ne peut pas laisser les ministères comme ça. On les nomme encore. Attention. On doit nommer, si on veut nommer les premiers ministres, il faut dégager l'indemnité de sortie. Il faut mettre les frais de station pour ceux qui entrent. Tout ça, ça entre dans Katiaba, qu'on puisse payer Nabiso encore par frais et Belépona. Battre en fonction. Mais les gens ont été comme garants des bonnes fonctions et des institutions. Article 69. Qui donne le pouvoir, lui, le chef de l'État. Lorsque l'intérêt de la République du Congo est opprimé, si un individu est en train de gagner, malgré que vous êtes dans un cas d'incompatibilité, votre démission est acceptée. Et que ici, vous devez faire les affaires courantes. Ce qui est aussi mon appel caractère. Approfondir la réflexion, il y a beaucoup de mots. On a réduit même les pouvoirs de chaque ministère. Papa, prouvez ça. Non, par une disposition légale. Qu'il prouve ça par une disposition légale. Le premier ministre, comme il est là en cours, mais moi, je cite la loi. Lui, ne cite rien. S'il vous plaît, je réfléchis froidement. Tu réfléchis très mal. Froidement. Réfléchissez en droit à sa disposition à la loi. Après sa disposition. J'ai dit ceci, le principe vient à ce que. Quel principe? L'article 5.8 de la Constitution met les principes de la compatibilité. Oui. Quel est l'article qui donne c'est pour nous, le chef de l'État, comme garant des bonnes fonctions des institutions à Mbokanabiso, nous sommes dans un cas aussi d'exception parce que la République du Congo est agressée, aucun ministère ne peut rester vide, il octroie le pouvoir d'exception à chaque ministère
d'expédier les affaires courantes avec réduction de leurs fonctions, de leurs missions bien sûr. Mais Ndegulanga, moi je pense que il faut autant la cause tout ça. Et si tu as une cause agression entre la guerre et le chef d'État ne pas prendre cette décision. Il n'est pas de démission à un ministre et puis changer de gouvernement. Mais pourquoi ne pas laisser l'intérim de Ndekualobi et pas VPM à défense par exemple? Mais, madame, ça les marque à 2-3 ministres. Il y a des gens, bah, à peine 37 personnes bah, qui nommées. Bah, sous ce basali, bah, c'est un pouvoir discrétionnel du chef de l'État. S'il estime nécessaire qu'il faut que bateau va conduire à faire courant, dans un mois, il y aura un gouvernement qui sera mis en place. Il faut faire aussi que nous sommes en train de faire des efforts pour que tout réduit bah, très à l'institution, à l'institution, à l'abissau. Ce qui va gouvernement, oh, okay. J'ai dit, je ne réfléchis pas, dans le sens où oh, bah, réfléchir, mais je réfléchis pour dire que ce qui va tourner à la compatibilité, mais les chefs de l'État, après sur l'affaire courante, ils réduisent leur mission. Il faut voir que c'était à titre d'exception. Et moi, j'espère que madame, en dépit du fait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, exécutoires, non, exécutoires, mais ici, le ministère, tous les ministres là, ne se retrouvent pas comme ministre avec toutes les fonctions possibles. Ils devraient avoir commencé par déposer la démission, et la démission doit être acceptée par l'autorité habilitée, et puis, bah, expédier, bah, faire courant. Le lot statut n'a pas besoin, puisque ce n'est pas ça, ce n'est plus ça ma 1, ce n'est plus ça ma 2. Exactement. Parce que vous avez démissionné. Merci beaucoup. Maman, je voudrais vous préciser, sois calme, je vais répondre vite. Aujourd'hui, mon tourné coquine. Attends. Est-ce que les compétences qu'avait le ministre, c'est ça, premier ministre, c'est le Kondi. Attends, que ça va le Kondi D. Attends, la compétence, c'est mon moment. Parce qu'il ne peut pas signer les autres démissions. Comme d'abord, j'ai qu'il va dans le jamais ça. C'est-à-dire qu'on vous donne les affaires courantes avec réduction des missions bien déterminées pour vous gérer comme vous en habilité. N'allez pas me supplier une fois. Je dis que le chef n'a pas violé la Constitution. Nous sommes dans un cas d'exception où le pays est agressé, où il faut protéger les actes. Madame, il y a un adage qui dit « Salus populus supprima lex ». C'est-à-dire que l'intérêt de la population peut pousser même l'autorité à violer la Constitution parce que la population, je vous dis, c'est un intérêt très très mal. Maman Naomi, l'intérêt de la population, s'il vous plaît, il dit qu'on va violer la Constitution. J'ai dit ceci. Pour quel intérêt? Le chef, s'il estime que l'intérêt de la population, prime sur tout, rien ne lui interdit de prendre des décisions. De violer la Constitution. Merci. Et donc, lui, je veux qu'on lui dit que les problèmes de compatibilité, ici nous sommes dans un cas d'exception, je vais préciser. Et que j'ai géré les affaires courantes, rien n'est interdit. Très bien. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas la première fois. Ndeko, Jean Moubenga, tout si ça n'a au dossier, oyo, mbalele qui t'osa qui n'a au dénoncé qui est en ma casse, n'a qui n'a pas de confumo, tout au pays, et Michel Moro a dénoncé qui est en haut que Batobazoli n'a pas timidé, ma fonction, tu habites, tous les autres, tout est-ce que Bozo salaire, manco, Bozo salaire, mi balé, à la fois ministre, à la fois député, mais on dit que non, Batika, Batiki, Basipéan, Kuna, députation à Bangoisa. À droite. Moi, juriste Neymar s'est chauffé entre moi. Dans la politique, je vous ai expliqué les choses de manière claire, simple et limpide. Okay. Donc, Samuel Kondé démissionna, c'est tout le gouvernement qui tombait. Déjà dans la journée, Vital Kamerhe l'avait fait, les autres avaient fait déjà un ou deux jours avant. Donc, quand les chefs du gouvernement déposent sa démission, tout le gouvernement cesse, même Jean-Pierre Bemba tombe. Okay. Alors, en ce moment-là, il devient comme toi et moi. Nous tous, nous devenons citoyens simples. Et en ce moment, on ne peut pas prendre ces risques. Oui, le président de la République peut maintenant choisir, il peut choisir vous, il peut choisir le frère qui est en face, ou mon frère ici, ou moi-même, de le faire, ou Samuel Kondé. Comme il trouve qu'ils étaient déjà dans le bain du travail, ils peuvent continuer avec l'exercice de leurs fonctions. Mais j'ai bien précisé que leurs attributions ont été réduites. Donc ils ne peuvent pas bouger le personnel, ils ne peuvent pas faire des mutations, ils ne peuvent pas envoyer les gens à l'extérieur, il n'y a pas de mission, il n'y a pas ceci. Il y a beaucoup de choses, même quand on veut faire une dépense, le chef doit donner son accord. Donc, en d'autres termes, c'est juste, Bazo King et Lagaka, place Wana en attendant, mais en étant là-bas, ils touchent leur salaire,
Mais au Parlement, ils ne touchent pas parce qu'ils ne vont pas siéger au Parlement. Cependant, un mois et demi, l'informateur est en train de faire le travail. Bientôt, on va avoir la majorité et ça va dégager celui qui sera désigné comme Premier ministre. Donc, il faut qu'on se calme. Nous avons déjà la guerre indirectement déclarée par la communauté internationale qui soutient le Rwanda. Nous ne voulons pas une guerre interne autour des termes, autour des mots, des juristes qui nous perdent là. Parce que nous tous nous comprenons, même si on n'a jamais été en droit, mais les bribes d'informations que nous avons en matière de droit nous renseignent que la Cour constitutionnelle s'était déclarée à ce sujet et le chef n'a pas violé parce que la démission a été déposée en bonne et due forme. En ce moment-là, la cessation de toute fonction en tant que Samalou Kondédé est tombée. Donc, on revient à la case de départ. Et là, il n'y a pas une ordonnance qui nomme un nouveau Premier ministre. C'est juste que ce n'est pas une autre personne, c'est la même personne qui est là, qui surchauffe les esprits de mon frère en face, qui se calme, il a les symboles de la République sur son brassard. Donc, je suis très fier d'avoir des patriotes qui portent les couleurs du Congo en eux. Mais là, nous ne devons pas ouvrir une brèche à l'ennemi parce que ils sont contents quand ils voient les Congolais en train de se battre comme ça. Ils sont très contents. Ce sont des débats qui ne se passeraient pas au Rwanda, qui ne se passeraient pas en Russie, qui se passeraient pas... Là-bas, c'est la dictature. Faut non, pas mais le je ne parle pas de la dictature. Je dis il y a des pays... Vous parlez de la dictature, la Chine est en train d'évoluer. Là-bas, il n'y a pas la démocratie. Mais vous tous, vous avez la référence de la puissance économique qui est la Chine. Donc il y a certains concepts, quand on veut entrer dedans, on ne sait pas la démocratie même c'est quoi, parce que les Occidentaux là qui ont la démocratie, ils nous envahissent, ils nous tuent, ils nous font du mal. Je ne sais pas si nous devons parler toujours en termes de démocratie, droits de l'homme, tout ça. Ce sont des concepts qu'on nous impose. Donc nous devons nous-mêmes savoir ce que nous voulons pour l'avancement de notre société. Il y a certaines choses, comme le frère a dit, qui paraissent être impopulaires. C'est comme si on a violé la Constitution, mais c'est juste pour le bien du peuple. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, j'aimerais que les esprits se calment. Le président de la République est entouré de juristes. Je crois que la décision prise, ce n'est pas une décision qui est... Ce n'est pas une décision avec... avec un saut de l'ordonnance. C'est éphémère. C'est une situation, comme on dit, expédier les affaires courantes. C'est comme quand tu es en train de quitter, tu déménages d'une maison à l'autre. Tu peux être bilo msou so koti nanda msou msou zano koto koti kibana bino bola la po ezakuna peut-être bakoya oyiba. Donc c'est pas que nous serons ici. Mais nous sommes en train de... C'est pour un moment, juste le temps. Peut-être que demain, vous verrez que Samalou Kondé ne sera pas là. Donc c'est une histoire politique, ça va aller très vite. Très bien. Que les juristes se calment, qu'ils ne surchauffent pas les consciences des Congolais qui sont déjà trop traumatisés par Kagame et tous les autres. Qui sont très bien. Allons-y, Mbala Mokon, partie Est. C'est un moment de réfléchir. Non, on a tout réfléchi en froidement sur la question de Kigali. L'Union européenne qui signe protocole d'accord na Kigali na Italie ba minerai auto et que Rwanda minerai ça et là mais l'Union européenne qui signe officiellement des accords. Nous avons vu récemment la Pologne noyer ko pesa makasi bongo na Rwanda pour que ba travailler et à l'acquier apport militaire. Kigali qui dit que Azako s'est préparé pour nous protéger population nae. Est-ce que la RDC est réellement prête pour que tu battes la paix ma bien à Bisho en termes de sécuriser notre territoire? Tata Mukambeko était déterminé. Tout le monde, même l'expression n'a facial à Obi, non, pas de négociation. Comment est-ce que, quelle est notre attitude, quelle est l'attitude que nous devons avoir face à cette communauté internationale qui n'attend à dénoncer Nambebo? N'a pas quoi aller la Sima Rwanda. Ndeko Jean-Pierre, vous êtes l'opposition. Vous avez suivi l'actualité, vous avez suivi le sommet à Addis Abeba, d'ailleurs,
et Bimi Bongo bakabon en queue de poisson et accoucher d'une souris, rien de plus important. Lelo, comment est-ce que la RDC doit se préparer face à menace au Isaac au monde dans la mise lobby moleki bandeko ya nord qui vous balobi que armée rwandaise se pousse à la peine à frontière na biso bazako se préparer. Quelle est notre attitude? Quelle est l'attitude que la RDC doit avoir n'attend ce qu'il faut qu'on paie sa recommandation? Merci maman Naomi, merci en tout cas. Na évité si on est commissaire qui na faculté à droit on est ni pondé na mono beteli so pam kao na ba question na yo maman na mono lire en tout cas on le ba vérité na mono bandagi droit kala comme na pene pena aussi lisa. C'est une question très facile, je vais répondre. Mais, incendie monnaie n'est salé mis dans le plateau. Comment? Oui, incendie monnaie, il y a un tigana sobolango. Dans quelques minutes seulement, très rapidement. Dans le Kouloutou, il y a eu mon colo togo tosa yo. Ce qui débat, ils ont les canaux au niveau au long de nos plateaux. Parce que, ma kamona droit, il y a mon lobby et aux oreilles, il y a mon côté. Mais les risques que vous prenez face à moi, le plus grand cerveau non, en matière de droit oh. Et qui a la profondeur de la connaissance technicien praticien de droit, c'est un grand risque. Ouais, j'ai dit ça pour toi. Non mais, tu sais qu'est-ce qu'on appelle maître? Maître, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie dans un domaine. Maître maçon ou mais bien non, maître... J'ai dit quand on appelle quelqu'un maître, c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie dans un domaine. Ailleurs, on l'appelle CC. Donc, Kouloutou, qu'on aura un risque à modéloter. Tout n'a pas de thématique, il y a un moyen. Il y a les bossons là, il y a là-bas. Non, ce n'est pas ma tâche. Un bon juriste, un bon avocat, lorsqu'il parle, il appuie toujours les moyens de sa défense par une disposition légale. La base légale, madame. Vous ne pouvez pas, un juriste, parler. Blablabla. On ne voit pas les soubassements. Moi, je vous parle avec le soubassement. Je vais la rencontrer. D'abord, je commence à dire à ce PAM, en droit administratif, toute décision d'une autorité a une dénomination appelée. N'est-ce pas? Lorsqu'un ministre prend une décision, on appelle ça arrêté. Lorsque le président de la République prend une décision, il prend une décision qu'on appelle l'ordonnance. Donc, le président de la République ne peut pas prendre une décision par un communiqué. C'est déjà là, attention. C'est pas pour lui, c'est exceptionnel. Voilà. Il ne comprend pas ce qu'on appelle. Je vous dis, l'exception ne peut pas déroger aux règles, madame. Mais quand on quelle est cette exception? Non, non, il y a un seigneur, ça va qui vient. Maintenant, il oublie. Nous, quel est le caillard? L'exception déroge sur le général. Attendez, l'exception, n'est-ce pas, ne peut pas déroger au principe. C'est-à-dire que vous amenez une exception qui vient détruire les principes, ça n'existe pas. Le président de la République agit par l'ordonnance. Il justifie quoi en agissant par un communiqué? Maintenant, en droit, madame, quelle est la nature juridique de ce communiqué face à la décision de la Cour constitutionnelle? Je vais vous lire ce que dit la loi. Voilà. Dans l'article 149. Article à l'ébosse. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, le président de la République fait partie du pouvoir exécutif. Il ne peut pas s'ingérer dans les décisions judiciaires. Je prends maintenant l'article 168. D'abord, 151. Madame, les émissions sont très pédagogiques. 151, voici ce qu'on dit. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur le différend, ni entraver le cours de la justice. Qu'est-ce que ça fait ici? Le président de la République vient d'entraver. Comment? Mais avec aucun ta décision en justice, non maman?
La Cour constitutionnelle dit bâton, comme déjà va débuter, va qu'elle est là. Mais lui, restez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Zéla, Nathan Wayambi démission là, Bango, Andimi, Ango, va démission. Il est en train de mettre un ministre là, madame. Ministre, je ne vais pas vous dire. Madame, madame. Quelle est la portée juridique de la démission? Laissez, madame. Je suis très calme. Laissez-moi prendre l'article 168. L'article 168, l'article 168, madame, il faut que les arrêts de la Cour constitutionnelle laissés sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires et ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Excusez-moi à tous. À tous. Voilà. Le président de la République, la Cour dit ceci. Il y rejette par leur propre demande. La demande disait quoi? Nous avons déjà validé nos mandats. Nous sommes députés. Être ministre en fonction et assigné aussi. Bon, ok. Les ministres en fonction, attendez, les ministres en fonction, c'est-à-dire vous avez déjà validé votre mandat aux députations et puis vous voulez accumuler les postes. La Cour constitutionnelle dit, vous ne pouvez pas, vous devez partir. Vous comprenez? Maintenant, le président de la République, par voie d'un communiqué, il s'impose à une décision judiciaire. Et vous vous dites qu'au moment où ils sont allés démissionner, comme ils ont démissionné, ils ne sont plus ministres et ils doivent les renommer. Mais madame, où est-ce que vous mettez leur qualité de député? Où est-ce que vous mettez juridiquement, où est-ce que vous mettez leur qualité de député? Donc vous les séparez, et des ministres, et des députés, donc il est resté. Mais le mandat, il y a ministre, il a suspendu. Dernier mot, ceux qui m'ont été député, et qui m'ont nommé ministre, a-t-il dit suppléant à eux? Attendez, c'est ça qui se passe. Il y a eu ma camadrone, à ces jours. Ça fait deux fois que je viens d'expliquer. Vous et moi, nous sommes convaincus. Ça va nous connaître à quelle qualité juridique maintenant. C'est un député national. Le président de la République vient de nommer un député national pour assumer les affaires courantes en qualité de ministre. Mais un acte, c'est l'acte qui est ici. C'est un communiqué. Mais maintenant, c'est communiqué ici a fait quoi? Produit quel effet de droit? C'est-à-dire, lui met là-bas pour travailler. Donc, à quelque sorte. Ça, Mme n'ira pas siéger au Parlement. Si vous le voyez au Parlement, en ce moment-là, il y a. Non, merci. Si Sama Lukonde ne va pas siéger au Parlement, oui. Les postes-là de Sama Lukonde, son siège-là, qui va siéger? Il y a son suppléant qui. Les suppléants ne peuvent siéger que si lui. Donne le mandat d'incompatibilité pour dire que je ne serai pas ici, alors les suppléants vont siéger. Les suppléants vont siéger alors que lui a validé le mandat. Parce que si lui ne valide pas, on va valider maintenant le mandat des suppléants à sa place. C'est comme ça que les suppléants vont siéger. Oui. Laissez-moi comprendre. Lorsqu'un député ne siège pas, il va valider le mandat à suppléant. Mais ce qui est mon co aïe. Aïe a validé mandat d'Aïe, donc c'est lui-même qui doit siéger. Mais donc, ce qui est Sama Lukonde, attendez, si Sama Lukonde va rester au gouvernement pour assumer les affaires courantes, donc son siège au gouvernement. En une minute, la question de pendant qu'il y a deux suppléants. Mais on n'a pas validé le mandat des suppléants. S'il vous plaît. On va le faire. On va le faire deux fois. On va valider pour un siège. Si Sama Lukonde, l'Assemblée nationale, il est nommé. Maman, ministre de l'Intérieur. On peut valider pour un seul siège au Parlement. On valide deux personnes. Mais c'est ce qui se fait souvent. Vous vivez dans quel monde, vous? Chaque année, en 2018, c'était ça. Vous êtes un avocat et un juriste. Ce n'est pas une matière d'avocat. Je suis en train de vous expliquer. Je ne vous écoute pas. Il valide son mandat. Il est député national. Et si le gouvernement
a besoin de lui. Oui. Ce monsieur-là devient ministre. Oui. Son premier suppléant prend sa place. On valide pour la deuxième fois les mandats de son suppléant. Mais dans les le jour où il cesse d'être ministre, il rentre, on révalide son mandat. Les cas sous examen. Est-ce que vous avez compris? Les cas sous examen. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Répondez à la question rapidement. La question de l'Est. Je réponds avec la question de l'Est. Posez ici. Maman Naomi, vous savez ce qu'il faut retenir dans la question de l'Est et que je salue les efforts de Jean-Pierre Mbemba, sincèrement. Il est à l'Est en train de... Il va même jusqu'au fond. En tout cas, avec un grand respect à vous et merci. Je note que le président de la République a manifesté une bonne volonté de finir avec cette histoire. Oui, c'est bon, monsieur le président de la République, ses efforts est vraiment bien louable, mais le problème c'est qu'à l'interne il y a des frustrations parce que si cette histoire continue à résister, c'est parce que l'homme blanc qui est l'auteur de cette guerre a réussi à nous diviser à l'interne. En nous divisant à l'interne, Eva Moutaké, il crée les traîtres à l'interne. Donc je vais dire au président de la République, s'il va négocier, qu'il commence par négocier à l'interne, qu'il organise un dialogue à l'interne pour parler que de la question de l'Est, pas pour les postes. La question de l'Est, comme ça nous allons parler entre nous et puis on tire des conséquences pour revenir unis. Parce que si on est unis, l'extérieur ne va pas nous faire quelque chose. L'extérieur profite de notre division de l'interne pour continuer à nous maltraiter. Alors revenons d'abord unis par un dialogue et ensuite négocier avec le Rwanda. Vous pensez qu'un dialogue peut donner la solution au problème? Mais je vous dis qu'à l'interne, on est divisé, madame. On est divisé en combien de fois tout ça va dialogue? Citez-moi un seul dialogue tenu au Congo pour la question de l'Est. Si vous le connaissez, il n'y en a pas. Moi, je parle de dialogue pour la question de l'Est. Nous revenons unis parce que les Occidentaux profitent de notre division à l'interne. Alors, nous parlons, on revient pour cette question-là. Nous revenons unis et quand on est unis, l'extérieur devient faible. Et là, il va négocier avec les vrais agresseurs, qui est la communauté internationale, qui fait semblant. Aujourd'hui, il est pour, demain, il est contre. Alors, dans ce cas-là, quand on est déjà unis, il faut faire bloc à l'interne. Bloc à l'interne, et ce bloc-là va imposer l'extérieur à agir selon notre volonté. Très bien. Et à partir de ce moment-là, on va débouter cette histoire de M23 et le Rwanda, qui est le sous-traitant inutile, on va les battre. Mais ce qu'il faut aussi retenir, que la diplomatie en cette matière a échoué. Parce que Kabila, en partant, il avait laissé des alliés au Conseil des Nations Unies. Il y avait la Chine et la Russie qui parlaient, qui portaient notre défense au Conseil des Nations Unies. À ce jour, la RDC n'a plus encore un allié au Conseil des Nations Unies. Sinon, si vous le savez, il me cite un pays. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel est le pays allié? Merci beaucoup, calmez-vous. Ndeko Gauthier Sampabou, puisque nous parlons de la situation sécuritaire dans la partie Est, et Toza, pour faire face à un complot international, ce qui est clair, nous sommes attaqués de tous côtés. Quelle doit être la vision de la RDC par rapport à l'Afrique et par rapport au monde et à Titi Nabiso pour résoudre les problèmes face à ces complots et Sengeli et Zandengenini? Ce qu'il faut tout la histoire, il y a Makambo, il y a origine, il y a conflit entre RDC na Rwanda et où tu vois et conséquence n'ango topé ba solution ba conséquence et même ba solution n'ango et que où tu vois pour que ça la solution moko durable. Est-ce faut aller na dialogue ne ba e ba zoloba topé faut faire face to faire la guerre contre le Rwanda pour imposer le respect. Merci beaucoup madame. Vous savez que l'origine de ce conflit depuis 1994, c'est qu'il faut faire maintenant. Moi, j'espère que à un moment, lorsque nous allons répondre à la question, on invite, quand on vient à la télévision, on vient lire toutes les dispositions, les gens ne vont pas comprendre. Il faut que les arrêts de la Cour constitutionnelle et la séparation du pouvoir, tout ça, ça veut faire quoi ici dans ce débat? Le principe, c'est qu'on cite les incompatibilités, premièrement, et que le chef de l'État, comme nous, il est garant des bonnes fonctions des institutions, il estime que ici, vous quittez, parce que la nature juridique il y a des missions. Quelle est la conséquence logique? C'est-à-dire que vous quittez votre posture naturelle comme ministre, avec tous les pouvoirs nécessaires, vous retrouvez dans un cas d'exception. Et du fait que le pays, parce qu'il y a un premier ministre qui est là, c'est là où il ne comprend pas. Il y a un premier ministre qui est là. Il s'agit, lorsqu'il démissionne, tout le gouvernement est réputé démissionnaire.
avec le moment où nous sommes, l'agression à l'Est, mettre encore un nouveau gouvernement, mettre les moyens. On ne met pas un nouveau. On nomme les intérimaires. Bon, il faut des mois dans Boca. C'est à dire que moi, je pense qu'à tel point, le père de la maison, le chef a fait tous ses calculs. Il estime qu'il doit gérer les affaires courantes avec une réduction des émissions officielles. Rien n'a été violé par rapport à ça. Et la question de la Cour constitutionnelle, moi j'étais dans la salle, monsieur. J'ai suivi le président camerounais comment il a interprononcé les R-Const. Parce que le Premier ministre avait demandé qu'il soit Premier ministre, naturellement Premier ministre, et puis être député. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, il est démissionnaire, il expédie les affaires courantes. Là, vous ne voulez pas comprendre. Moi, j'espère qu'à un moment, on peut être intellectuel, mais lorsqu'on argumente, les gens ne sentent pas que vous êtes intellectuel. Maintenant, par rapport à ce qui nous menace à la partie Est. Madame Naomi, moi j'ai toujours dit ici, la République démocratique du Congo est un État indépendant et souverain. Et il y a des questions d'État intégrées territoriales de Sénaga Négasoté. J'ai lu également mon vieil Kamere qui a fait une très belle analyse des mandats que l'RDC utilise la régime de France. Parce que toutes les conditions. Il y a agression imminente et actuelle, ils ont déjà mis en place que sur le Rwanda qui est déguisé en M23 qui attaque la RDC. D'une part. D'autre part, la République du Congo, comme État souverain, a déjà brandi au monde entier que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Nous avons capturé les militaires rwandais ici, nous l'avons présenté devant les facilitateurs Lorenzo. Que voilà, ce sont les militaires rwandais ici déguisés au M23 qui attaquent la République du Congo. Maintenant, quelle est l'attitude du facilitateur face au Rwanda? Et ce qui est grave, ce qui m'étonne, je viens de lire ce matin la déclaration de la République rwandaise qui nous demande, nous, que c'est la République du Congo qui a envahi Rwanda. Mais moi, j'ai fait une petite gymnastique. Qu'est-ce que le Rwanda a de plus riche que la République du Congo? Voilà pourquoi ça démontre clairement qu'il y a des organismes qui viennent soutenir le Rwanda. L'Union européenne qui signe avec le Rwanda un accord pour la production des matières premières. On a tout le monde pour tout le monde en Rwanda, on a dit la République du Congo va matière première pour la technologie étrangère. Et enfin, tout le monde a dit au Rwanda, à Zane M22 à Rwanda. Nous avons l'organe qui prend des résolutions, ma cache que ça nous tenait pays. Il y a le Conseil de sécurité. Si c'était la République démocratique du Congo qui va menacer Rwanda, on va basé résolution 00 tel, battu sous embargo. Maintenant, nous, la RDC, qui sont menacés nuit et jour, il n'y a aucune sanction que j'ai dégagée dans la contre la Rwanda. Et grave encore, il y a eu le processus de. De Luanda ici, de cesser les faits. Il n'y a que la République du Congo qui ne fait que respecter. Les autres États, on a, et Rwanda, on a même besoin de respecter la volonté. Maintenant, vous nous appelez la dialogue. Vous pensez que la meilleure solution est de faire la guerre au Rwanda? Ici, la meilleure solution, nous devons quitter la posture de la diplomatie. Il faut faire la légitime de défense pour protéger l'intégrité territoriale de l'Abisso. Parce que le Rwanda, lorsqu'on cite M23, il y a quelqu'un qui a été en train de demander le Bosso. D'autres ministres sont maires, les chefs de l'État, je dis merci, le président de la République, qui a dit tout haut qu'il n'y aura pas de négociation. Très bien, chuté. Et ici, nous devons faire appel à la communauté internationale. Nous avons vu ici Israël et l'autre pays, Hamas. Lorsque Hamas a mangé, on a bombardé. Mais c'est plaindre Nabato, Bangomo, Baza, Simalikam, Bangomo, n'est-ce pas? J'ai réfléchi à des problèmes. Ici, la vraie solution, nous devons faire la guerre avec le Rwanda. Et vous allez voir que le Rwanda va se... Très bien, merci beaucoup Ndeko. Jean Mbenga, Kigali se prépare pour protéger sa population, selon président Nabango, à Sima Refi, catégorie qui a tata Mokambeko, Nabiso, qu'on négocie. Vous êtes chercheur, vous êtes aussi journaliste, je me suis souvent na ma tribune Nayo, Nao Italie, Mboka Congo. Selon yo, origine, il y a conflit où ils ont opposé RDC na Rwanda des Alinini. S'il faut chercher des solutions à long terme, les loter, l'obiter, puisque le problème est réel, et que ça, là, ni na stade haut, est-ce qu'il faut écouter Mingongo Zoloba, la guerre est la seule solution?
Je pense que il y a beaucoup de choses qu'on doit dire à propos de tout ce qui se passe. Le soubassement de cette guerre, c'est les enjeux économiques. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, à elle seule, détient pratiquement les réponses à tous les problèmes de notre planète. Nous sommes pays solution, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Au cours des générations, nous avons répondu chaque fois qu'il y avait un besoin. À l'époque de la révolution industrielle, c'est le Congo qui a répondu présent avec les caoutchoucs de la RDC, avec les cuivres du Katanga pour industrialiser l'Europe et ainsi de suite. Et nous avons évolué comme ça les années 90 avec ce boom du coltan qui pouvait permettre cette transition électronique pour avoir les téléphones sans fil, les ordinateurs, les laptops, tout ça. On a recouru toujours à la RDC. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge du numérique où on va faire une transition énergétique pour essayer de réduire les émissions à effet de serre. Donc la planète est en train de chauffer. Il faut qu'on puisse ramener la température à 1,5 degrés pour que nous ne puissions pas tout perdre. Parce que plus la planète se chauffe, plus l'espérance de vie diminue. Les espèces vont continuer à mourir, les poissons vont mourir, les animaux, la végétation et l'homme lui-même va disparaître. Donc c'est un combat collectif, c'est une situation à laquelle le monde est confronté. C'est une menace comme le terrorisme, comme les autres menaces que nous avons dans notre monde actuel. Le réchauffement climatique est un enjeu majeur. Et le Congo a la réponse à cela avec le cobalt, le lithium, pour mettre en place un système de voitures électriques qui font que les 50 millions de véhicules qui sillonnent chaque jour dans notre planète vont transiter vers le système d'énergie renouvelable qui est la batterie. Alors, les ressources sont au Congo. Toute la bande de Momitumba, ça part du nord Katanga jusque vers l'Ituri. Toute la partie là, nord-est, sud-est, c'est là où il y a le lithium. Moba, tout ça, Mueso, Walikale, partout là-bas. Si vous avez vu ces trois dernières semaines, l'intensification des frappes de l'armée rwandaise dans la partie Masisi, ils étaient en train de frayer le chemin pour arriver à Walikale. Mueso, cette partie-là, il y a beaucoup de lithium. Ils ont réussi à prendre de lithium parce que le mois dernier, le Rwanda a signé un accord avec un géant minier australien qui s'appelle Rio Tinto. Rio Tinto a versé 900 millions de dollars et avec à long terme un contrat de 15 milliards de dollars avec le Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas de lithium, oui. Et alors, le Rwanda devait prendre ce lithium-là chez nous, parce que quand les gens ne comprennent pas bien la nature de ce qui se passe, les analyses seront... Le bango n'a l'ingala pour... Nalobiboye. Bitumba ya mikoloyo. Ezali ya ba lithium na ba cobalt minéré aux anakatamboka. Mokili mobimba ezana besoin ya kozana réseau ya approvisionnement ya ba minéré wana. 70% ya minéré wana ezali panabiso. Lithium ya qualité ya teneur ya likolo ezali lithium ya Congo. Lithium ezala na Congo te, ezana na Colombie, ezana na Australie, ezana na Russie. Mais oya biso ezali lithium ya Libanga. Ya Colombie ezali lithium en maille, c'est liquide. On met dans la batterie, l'espérance ya batterie ezali moulaïté. Mais tant ba sali ba recherche lithium ya Congo. Oye outi na côté ya Nord Katanga na Tanganyika kuna et Keiti na côté ya Ituri. Parti nyonso na lithium ezali. Alors, ce que je veux il y a trois semaines, où il y a Rwanda, il y a un bon, il y a un bon, il y a Rwanda, la banque et Kanga, il y a un bon côté. Il y a vraiment un piaka makas. Il y a un bon, il y a une entreprise australienne comme Rio Tinto. Rio Tinto a versé un bon pour Rwanda à fournir lithium.
Si on lithium est en Rwanda, alors il fallait la côte sa force spéciale rwandaise pour au moins il boire la bombe na sake tout ça pour faire paniquer la population. Balongwa, bango bazwa nzela ko kota ti walikale mweso partout là-bas lithium est ébélé. Bazuba lithium on a la kay bagou futa déjà nyon. Alors ils veulent maintenant forcer la main. Ya mon moni bazo mema Félix na makambo ya dialogue. Et ça pour que ba affaiblir yé, ce qu'on dit, ba ngoba contrôler dialogue est en ligne. Rwanda osenga contrôle ya est wana mobile. Ata ba gouverneur naye, ata ba généraux naye, aza ce na liberté ya kozwa biloko wana facilement. Mais tant que pays souverain, comment faire pour protéger nos frontières face à l'État? Maman, ezalika ka kosomba mandoki, ya mon moni 4 suko ya sikayé. Au moni mokonza mboka wa sala nene moi box na ba envoyé spécial à Poutine. Ba to na ba sala na Poutine ba entraînement. Oui, Poutine aza ceinture noire nané na judo aza grand sportif mais baton na ba to na yo ba sala ba ngone ne ta moni c'est un message bon quand c'était que ezaka vidéo ba sala on a pour ba l'exemple bon iza ko la kisake bino ba occidentaux hypocrisie na bino to lembi yango maintenant c'est le Congo qui décide de son destin nous allons prendre des décisions pour sauver notre patrie. Oh, bah, minéré, nous sommes en haut. S'il faut couper ça, n'a pas minéré. Et pas, bah, ça, la mandoki. T'as coupé ça, t'as eu mandoki. Bitoumande, ils allaient à Awa. Mon cousin, bon, quand vous nommez, ma boutouille à l'élo, Chico, Chitam. Oiseau, commande, il y a opération à Nord-Kivu. C'est vous dire que maintenant, ma cambo est changé. Général Fall, n'a pas besoin, tout le monde va avoir un feriste. Laquelle, bah, on kuna, bazar, n'a pas d'ambiance, on s'allait l'eau salé maté. On s'y attire déjà. Côté Rwanda, tu as dit que tu as un char dans la frontière. Ils ont un char à Kala. Ils ont 30 km. Ils ont un coup de feu. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Ce qui est le cas, c'est que tu as un goma. Tu as attaqué Goma. Dès que tu as un peu de temps, tu as attaqué Gisenite. Tu as attaqué Kigali. Tu as un Mokili. Tu as un Mokili. Parce que trop, c'est trop. On n'a pas d'autres options. Nous avons épuisé tout dans le niveau de diplomatie. Tout ça, l'union, tout la bonne foi. Mais, au moment de l'Union européenne, a été signé dans Rwanda. Pendant que le Rwanda est là, tout ça, c'est une provocation. En principe, il fallait les lots, les artères, il y a Kishasa, il y a la ville, la mission, ils sont allés tondre dans le bateau pour nous obéir à l'Européen. Bangonion, c'est ça, c'est que vous êtes en France. Tous les Européens, quoi, c'est bon, qu'il n'est pas bien. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. 30 secondes, aussi, c'est l'émission. Votre mot de la fin. Merci, maman. Il va réfléchir à la juridique. Merci, maman. Vous voulez réfléchir à Mbouga. Moni, s'il vous plaît. Maman Naomi, merci. Et Outu Golanda, la conclusion est allée, était Tolomeli Mikonzami Balé, Oyambo, Bandag Nalikamu Itali, violation flagrante intentionnelle. Du président de la s'il vous plaît, émission excessive. Laissez-moi parler. C'est ça rapidement, oui. Violation de la Constitution intentionnellement et volontairement, passible à l'infraction de la haute trahison par le chef de l'État. Et deuxièmement, Bayimbo Kabasimba était Ezali, violation flagrante à la Constitution. Un jour, le président va répondre de ses actes devant la loi. Merci beaucoup. Yami Balé, Tolobeli Makamona Monile Nekolo, na Tombeli Mokonjamboka. Bokasi mingi na ndenga azolandisa makambo wana pe na ebisi na bayimbo ka ete to simba makasi me soki to régler ba to régler to komi ini à l'interne munguna libanda akosala biso. Merci beaucoup. Luto asali kaka histoire na histoire droit ya ebite to kena makambo este asali historique mais maintenant nga nazo pesa c'est la fin en tant que grand cerveau de la grande comédie et lui maintenant il veut parler de quoi sont pas votre mot de la fin en 30 secondes comédien à l'élo. Non moi j'espère que vous ne pouvez pas m'appeler comédien. Rien analysé, j'ai besoin de conclure. Rien analysé, quand toi tu m'as dérangé. On est à l'aise lorsque nous sommes, on est chez nous. Notre pays aujourd'hui, ils ont signé un effort encore très consenti derrière le chef de l'État parce qu'il en a la volonté pour protéger l'intégrité territoriale de Mboganabiso parce que c'est suite aux accords secrets des gens qui ont signé, par exemple, au moment où le chef de l'État dit niet et il n'y aura pas de dialogue
nous allons protéger notre pays pour que les dignes fils vivent dans la paix. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Votre mot et message à la population de l'Est, précisément. Le message que je lance à toute notre population en général, et en particulier nos frères Ouazalendo de l'Est, c'est que nous devons avoir les Congolais de bonne qualité. Les Congolais qui doivent être du bon côté de l'histoire. C'est vous qui faites l'histoire du Congo. Vous avez prouvé pendant 3 décennies que vous pouvez défier Kabila, vous pouvez défier Kagame, vous pouvez défier quiconque, même la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, tout le monde, vous avez défié ces gens. Ne soyez pas distraits. Soyons ensemble. Restons unis. Surtout, faisons confiance à notre chef de l'État qui y a défendu au risque de sa vie. La pression que l'Angola a fait, parce que l'Angola a subi la pression des États-Unis. Et les États-Unis qui subissent la pression des multinationales qui veulent piller nos ressources. Toute cette pression-là, Félix Tshisekedi a balayé ça de revers de main, parce qu'il croit qu'il n'y a personne qui a le monopole de la violence. Si vous voulez la violence, vous allez trouver la violence. Très bien. La RDC, jusque-là, ne s'est pas encore défendue. La RDC est à la défensive. Mais quand nous allons passer à l'offensive, le monde va demander qu'on puisse cesser les faits. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Bandeko Azaki Nabiso, pour na Congo et Alelo, Matondo Mingi, je rappelle, na ba téléspectateurs dans ce Balandi Biso, surtout avec le province de Kinshasa, au cas de problème de se confier à la police, puisque Moussala et Zaliko Salema Kuna Tokutani, lobby na Bandeko Moussou soumet toujours avec le même plaisir. Tolinga Congo, Tonga Congo, et tout bâti l'intégrité territoriale Nabiso. Au revoir. I'm gonna make it.